moi te dit que USCIS découvre gain en pile fraude dans programme Biden nan, et gain moun qui commençait prend code. L'aime pas information ça gain pile moun qui était mal ouais ça. Gain pile moun qui estime côté jeune information ça pour qui ça gain des médias pas baili ou même côté jeune avèl. Gain moun qui était même indexé comme quoi c'est moi même qui fait 10 comme si c'est moi qui fait blanc. Découvrir gen fraude dans propre système pal. Alors femme dit nous notre petit crasse tam gen là et dans dialogue que m'gen avec des moun qui plus ou moins comprennent système nan. États-Unis monte système ni en façon pour le détecter fraude automatique. Ba moi dit ça me dit encore. Américain qui se met système ni. Eux gen brèche pour moun faire fraude li connaît yo li connaît gen brèche pour moun faire fraude li kitel pour le capable joindre plus moun gen pile fois gen fraude gen bagay moun a fait ici autorité fédérale yo ouais yo connaît yo ouais yo connaît yo kite l'aller pour yo ka rive nan source fraude la automatiquement yo rive nan source fraude la yo pral fè moun ki nan tête bagay la bay tout chaîne nan net et yo pa pressé yo calme enquête fédérale ici li prend temps qu'il faut et y a rive sou moun ki concerné. Donc, moi, je voulais faire mise au point ça pour m'essayer d'expliquer nous que. Pas de monde qui a attiré l'attention aux autorités américaines sous cas de fraude. Il a détecté l'automatique. Moun pas besoin de dire. Et il a quitté le marché. Quitté le marché pour être capable d'aller dans la source. Il a mis à l'aise. Il a mis à l'aise dans la fraude là. Jusqu'à ce que le système nan juste kembo comme ça. Et là, le kembo n'est pas kembo seulement. La kembo tout le monde qui est dans la chaîne. C'était une mise au point d'a fait par rapport avec l'information que je t'ai posté. Yon le mec te ba en pile moun problème. Mais surtout tout le monde qui est dans la fraude, qui te gen problème. Bon, moi-même, comme journaliste, sous sim, pour me ba information. Fait que m'bagay sentiment. Ok? Qui sa information? Moi y'a plusieurs moun qui tag moi. En bayon information kap circule. Sa gagne quelques heures de temps. Bon, mon second. M'ab juste. En tout cas, un peu climatiseur. Désolé, je vais te déplacer pour quelques secondes. Gagné plusieurs monde qui taguent en bas en information concernant Biden. Les garder moi information, c'est qui ça lié, c'est que Fox News. Fait qu'on est que yo suspend programme Biden nan à cause des révélations de fraude. Les moun yo tag mwen di ke ba regarder ki sa lié rapidement m'aller sou Fox et puis effectivement mwen wè information. Mwen li article la. Mais avant faut tout moun k'ap suivre la connaît et comprendre que nous n'ayons contexte politique. Nous allons venir sous ça puis devant. Et éventuellement quand il y a Maître Franklin Julien qui a monté dans le live là qui a gardé en jeu technique légal mais tout en jeu politique. OK? Donc Fox News sont médias qui pro républicains, OK? Il y a intérêt dans l'information ça.
OK? Donc ça veut dire Fox News pas ta bay chance ça même à démocrate pour ta gon information comme ça pour le pas bay. Elle dit bilte joine ni li préciser, li vérifier, li contre-vérifier, li joine des sources qui dit la plague. Parce que ça a fait affaire républicain qui déjà t'es en face programme. Maintenant, qui sa information en dit? Fox News fait qu'on est gagné ministère sécurité intérieure États-Unis, ça aurait le Department of Homeland Security, DHS. Dit yo fait un petit suspend sous programme humanitaire Biden après diffusion yon rapport interne, ça veut dire un rapport interne dans DHS qui fait état de yon bon quantité de magouille dans le cadre du programme. Ça, c'est le premier élément d'information que Fox bay. Et Fox allait plus devant pour le dire, et c'est ça qui t'a attiré l'attention. Et gagner yon source dans le Congrès américain qui dit section digitale Fox News yo décide de font ti camper parce que rapport interne a montré quantité fraude y a parlé yo c'est surtout nan demande que sponsor yo a fait c'est pas bénéficiaire yo bon expliquer nous ça. Fox dit sous li gen nan Congrès dit que yo te mette programme nan sous pause ou bien prend ti pause nan délivrer autorisation voyage nan mi-temps mois juillet après que rapport interne ça que n'a parlé de l'IA li montre yon gros quantité de fraude. Mais c'est surtout dans demande que sponsor yo a fait. Mais pas bénéficiaire. Dans même article ça DHS qui c'est Department of Homeland Security actuellement mettait en place un mécanisme, ça veut dire un moyen, une façon pour examiner, détecter et puis prévenir tout cas de fraude et puis abus dans la procédure immigration dans le cadre du programme. Et dans l'article, Fox News dit ministère américain sécurité intérieure qui c'est DHS prend très au sérieux problème ça. Soit fraude ou bien abus dans le cadre de procédure. Fox News dit que le fraude yo identifié, service immigration à travers ICE qui est une entité de immigration, a mené enquête. Et puis engager poursuite devant tribunal immigration, devant tribunal immigration, et à transmettre plainte pénale au ministère de la justice. Tenez ça bien. Fox News fait qu'on est dans l'article. Automatiquement, CAFO yo identifié. Ça arrive yo identifié déjà, mais on veut prudent. Yo di automatiquement kafodio bien identifié
USCIS à travers entité qui c'est ICE qui qu'on habitué à l'arrêter pour ka immigration. Yo pral mener enquête, engager des poursuites devant tribunal immigration et transmettre plainte pénale yo by ministère de la justice. Et puis devant Fox dit dans l'article là que responsable yo dans DHS dit par souci de prudence yo font ti camper temporairement sous question bail autorisation voyage anticipé pour nouveaux bénéficiaires pendant que y a examiné demande yo. Tenez bien ça. Responsable yo, autorité américaine yo dit que yo font ti camper sous bay autorisation. C'est peut-être ça. Gan pile moun ap wè dernier temps sa yo, kap tan autorisation voyage depuis 1 mois, 2 mois et même 3 mois. Yo pa ka joine. Donc depuis mi-temps mois juillet, yo font ti camper nan bay autorisation voyage. Yo di yo pren décision ça pour moun surtout nouveau bénéficiaire kap tan yo. Pendant que y a fait examen de demande sponsor, ça veut dire qui ça? Ça veut dire on moun nou fin bon ou ap tan autorisation voyage yo poko baoul, mais y a gardé pour yo est-ce que moun ki te fil pour walte li pat nan magouy. C'est ça ça veut dire. Puis devant DHS qui c'est Department of Homeland Security, ça aurait le ministère sécurité intérieure aux États-Unis, dit y a pour reprendre traitement de mandio aussi rapidement que possible avec des garanties appropriées. Peut-être parti ça li capable bay moun un petit lueur d'espoir, j'ai encore dit là en français. So autorité yo pas dit yo camper net sous li. Y a examiné, il a mené enquête, mais en attendant enquête ça mené au fond de camper sous lui. Mais on dit il a reprendre traitement de mandio aussi rapidement que possible avec des garanties appropriées. Ça veut dire si a reprendre analyse de mandio bien traiter cas traiter application yo, fois ça y a bien garantie appropriée. Ça veut dire y a bien temps détecter toute fraude à l'avance, il pas même bien arrivé dans niveau ça. Donc voilà en gros qui sa nouvelle là et gagne une source dans Congrès qui dit Fox News que depuis 6 juillet yo te gete commencé camper dans question bail autorisation voyage à vénézuélien. Et suite ensuite jusqu'à 18 juillet yo vinn camper dans bail autorisation pour trois autres pays qui c'est Haïti, Cuba et Nicaragua. Nous connaissons ces quatre pays ça yo qui en dans programme Biden. OK. Si mal et puis devant Gopati qui est intéressant dans article là. Mais c'est traduit, mais les m'a regardé anglais et français, elle m'a traduit jusqu'à présent pour qu'on finisse bien saisi. Yo dit que rapport interne ça que n'a parlé, il révélait que application, bon série de applications qui gagnent des numéros de sécurité sociale, qui gagnent des adresses et des numéros de téléphone qui utilisaient des centaines de fois. M'pa comprendre ça vle di. M'lil, m'traduil, même pas fin tout comprendre. M'pa comprendre ça m'di. Fox News dit rapport interne ça que n'a parlé a. Li révélé que gen des formes, gen des applications dans programme nan
que yo wè ki gen des numéros sécurité sociale. Elle dit social security moun yo numéro social yo, adresse et numéro de téléphone qui utilisé des centaines de fois. Bon, est-ce que il y a des monde qui utilisé ba yo plusieurs fois pour plusieurs monde? Ça mon petit, j'ai pas fini trop clair. Et puis devant, yo dit que gagne des extraits dans rapport que Fox News yo transmet bali. Gagne Fédération Réforme Immigration Américaine qui c'est un groupe conservateur sous immigration qui montrait gagne 100 900 combien presque 101 000 applications qui remplit par plus de 3000 sponsors en série qui montrait que gagne des numéros qui paraît sous n'importe 20 formes, 20 applications ou bien plus que ça. Baron si me comprenne. Gon externe rapport avec Jeune Fox qui dit yo que gen plus que 100 000 applications remplies par 3000, plus de 3000 sponsors. Yo wè la dan yo gen de numéro qui paraît sous n'importe 20 applications ou bien plus que ça. Et étude la révélé tout que 24 sous 1000 numéros qui plus utilisés yo c'est pour des moun qui mouri déjà. Beaucoup comprennent pas ça. Beaucoup comprennent pas ça puisque comment utiliser des numéros de monde qui mouri déjà pour mettre dans des applications. Et on l'autre côté, on dit que gagner environ 100 adresses physiques qui utilisé mais ont utilisé entre 124 et 739 fois sous plus passé 19 000 applications. Yo dit que par exemple bon numéro téléphone on sponsor yo remarqué bon numéro sponsor yo remarqué pardon qui soumet sous plus que 2000 applications et 2839 d'applications ça a gagné des codes postales des sponsors qui pas même existé. En pile bala kap di la vraiment bon côté de yo et kounya m'ap tombe sou yo fòm se kounya m'ap li atik la m'y a plusieurs postes pral fè sou ça mais c'est kounya m'ap li atik la et ça qui pi m'ap di grave mais pi sensible dans ça m'pral di la c'est parti ça. Department of Homeland Security, ça ou le DHS là, yo fè Fox News konnen, avant bénéficiaire yo rive sous territoire américain, yo fè un contrôle approfondi pour yo rassurer yo que moun sa bien entré. Et yo dit que jusqu'à moment n'a parlé là yo fait des contrôles à plusieurs niveaux des contrôles avancés sous voyage moun yo yo pas vraiment identifié de problèmes qui lié avec bénéficiaire yo donc yo plus ouais problème nan beaucoup de sponsor yo que bénéficiaire. Donc ça veut dire majorité analyse y a fait c'est plus sous sponsor yo, moun k'ap fè application. Ça c'est l'essentiel de l'article là. Pour moun ki fait monter
Fox News, qui c'est un média qui pro-républicain, révèle jodi a que autorité onan DHS qui c'est Homeland Security di yo fon ti campé sous programme Biden nan parce que gen un rapport interne qui révélé gen en pile magouille. Ça ou les fraudes en français. Article a continué pour le dire. Nan mitan mois juillet, autorité CBP ote obligé par prudence fon ti campé nan bay moun autorisation voyage en façon pour yo capable mener enquête et garder ki sa bagay la. Et puis devant responsable yo di y a mené enquête, y a identifié moun ki nan fraude yo, y a intenté des actions en justice contre eux devant tribunal immigration et plainte pénale pour le jeune ministère de la justice. Donc voilà en gros qui sa information est. Donc ce que ça me voulait nous retenir, c'est que c'est une suspension de programme. Ça veut dire si n'a pas dit en bon créole, programme n'a font camper à cause magouille.